Hello, hello. Nouvelle semaine, nouvelle visite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est de nouveau checker les CR pour les ruches qui ont des hausses. Et puis vérifier une des deux ruchettes sur lesquelles j'avais mis un cadre où il y avait des débuts de cellules royales. Juste voir si elles ont été prises par les ouvrières. Et puis on va regarder l'état des hausses. On va voir ça, mais je pense qu'on va faire une division sur une de mes ruches sur lesquelles il n'y a pas de hausse. Du coup, elle était assez forte, mais il y avait pas mal de nourriture, il y avait pas mal de cadres de couvain. Donc je pense que là, je vais faire une division sèche hein, avec recharge de reine pour le coup, parce que je vais laisser la ruche au même endroit. Donc idéalement, je vais récupérer la reine pour mettre cette reine-là dans la nouvelle ruche et laisser la ruche initiale sans reine pour que les butineuses reviennent rapporter de la nourriture dans la ruche dans laquelle il n'y a pas la reine. Bref, on va voir tout ça. En attendant, j'allume le petit enfumoir et puis on passe dans le rucher directement. Allez, c'est parti! Ruchette 01. Donc c'est dans celle-ci que j'ai rajouté un cadre où il y avait des débuts de cellules royales. C'est celle où la première fois ça n'avait pas marché, hein, du coup, pour rappel. Il y avait deux cadres de couvain ouverts, mais elles n'avaient pas élevé, donc j'avais récupéré un cadre où il y avait déjà eu un début d'élevage de rennes. Du coup, on va voir si elles les ont pris. C'est très calme. Ouais, elles sont déjà un peu sur la partition, hein. Je vais peut-être leur donner en attendant un petit cadre à construire. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah bah ce beau cadre est plein de. Il est plein de nectar. C'est plein de nectar. Même là où il y avait la ponte de mâle avant. Bon, c'est normal, hein, là, il n'y a plus de reine pour repondre, donc là, il n'y a pas d'œuf dedans, mais elles sont déjà en train de le remplir. Ça brille bien. Hein, c'est. Là, on voit bien. Hein. Ça coule même. Je ne vais pas trop bouger parce que. Il est bien bien liquide. Alors bon, eh ben, je vais aller très très vite parce que il y a une reine qui est née, forcément. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que ici, alors je rezoomerai au moment, c'était des cellules royales et elles n'ont pas été ouvertes par le dessous. Normalement, il y a une petite, hop, ça fait une petite ouverture comme ça avec un petit chapeau. Et là, elles n'ont pas été ouvertes vers le bas, mais elles ont été mangées sur le côté. Là, il y a le bon exemple des deux, ici et ici. Et puis en plus, là, la ruche, elle est super calme. Donc, c'est que la reine est née. Là, c'est encore assez tôt. Donc, je ne vais pas m'amuser à aller la chercher partout. Parce que bon, ça se trouve, elle n'a pas encore fait son vol de repérage et de fécondation, du coup. Donc, bon, ben voilà, très bien, c'est bon signe. C'est bon signe. Donc, je vais attendre un petit peu. Tac, je vais attendre, je pense, la semaine prochaine, voir si elle s'est mise à pondre. Je vais quand même regarder juste celui-là, mais vraiment pour faire voir. Est-ce que c'est blindé de miel? Voilà, là on a le même exemple ici. Il y en avait une autre. Elle a été mangée par le dessus. Donc en gros, la reine qui est née, la reine vierge qui est née, s'est précipitée pour aller voir s'il y avait d'autres cellules royales prêtes à naître, quoi. Et du coup, au lieu d'attendre, eh ben, elle est allée par le dessus, elle a mangé un peu
l'alvéole et elle est allée tuer la future reine vierge concurrente du coup avant qu'elle naisse pour être sûre qu'il y ait que elle dans la ruche et que ce soit la seule et l'unique reine du coup. Bon bah parfait, hein, c'est super calme, ça vole pas, c'est nickel, c'est nickel. Je regarde en même temps quand même s'il n'y a pas déjà eu de la ponte, hein, comme ça fait plus de 20 jours. Bon, normalement c'est un mois, hein. Il faut un mois normalement, mais bon. Parce que là il y a un beau cadre de couvain. Celle-là aussi, elle était très belle celle-ci. Elle a été mangée sur le côté, elle n'est pas ouverte par le dessous. Ça montre bien que la reine est vraiment venue tuer ses concurrentes directement dans l'œuf, hein, comme on dit, dans l'alvéole en l'occurrence. Et ouais, ça n'a pas été ouvert par le dessous, comme c'est fait naturellement, quoi. Alors là, pour qu'elle reconstruise, du coup, je vais quand même remettre un cadre ciré là et qu'il y ait de la place pour pondre à la reine. Bon bah ça, c'est un cadre, ça brille, c'est rempli de nectar, quoi. J'ai pas encore vu de ponte, hein, du coup, donc je pense que la reine, soit elle s'est faite féconder tout récemment et elle n'a pas encore commencé à pondre, soit elle n'est pas encore fécondée, elle est née récemment. Tac, un petit cadre tout neuf à cirer, à bâtir, pardon, il est déjà ciré. Voilà. Bon bah très bien, et bah, je referme, hein. Je reste pas plus longtemps. Ça se passe très bien. Je les fais aller vers le bas pour pas les écraser en fermant, et on est bon. Tac. Allez, la ruchette 02. Celle-ci, il y avait plein de cellules royales du coup. Ça fait 8 jours maintenant, hein, donc logiquement, il y a une reine qui devrait être née. Va regarder ça. Bon, bah voilà, elles sont en train de prendre en charge le cadre ciré que j'avais mis la semaine dernière. Ça, c'est un cadre qui est plein de réserves, pollen et nectar, c'est très bien ça. Du coup, je vais le mettre, je pense, au milieu. Au milieu, en rive, pardon. C'est pareil, hein, à l'ouverture, c'était très très calme. En général, quand c'est calme et que ça vole pas partout, c'est qu'une reine a. Une reine est née. Donc là, on peut voir ici, pareil, hein, mais toc, ici, voilà, que ça a été mangé, qu'elle a été mangée par le dessus. Donc, ce qui normalement, à première vue, devrait nous signaler qu'une reine est née. Là aussi, c'est pareil. Alors là, il y en a une. Est-ce qu'elle a été ouverte ou pas? Non, elle est toujours présente, alors c'est étonnant. C'est étonnant. Par là, il n'y en avait pas. Je vais juste regarder le dernier. Ça, c'est que de la bouffe. Nectar et pollen, ouais, c'est que de la bouffe. Alors, celle-là. Très bien. Alors c'est possible qu'elle ne soit pas encore née, hein. Il y a encore deux cellules, trois cellules royales qui sont fermées. Écoutez, je referme et je vais voir ça à mon prochain passage. Ça sert à rien de vouloir aller trop vite, hein. En tout cas, il y a des CR. Bon, ce qui est étonnant, c'est qu'il y en a une qui a été ouverte par le haut, sur le côté en tout cas. Alors c'est possible que c'en était une qui n'était pas viable et qui a été détruite, hein. Donc je vais laisser ça comme ça. Tac, et bien voilà, et bien on patiente tranquillement. Il reste des CR. Il y en a une qui a été mangée, mais je ne sais pas trop. On va pas se précipiter, hein. Ça fait 20 jours, donc 20, 21 jours. Donc on va laisser le travail se faire. Celle-là, je n'ai pas ouvert avec vous parce que c'était la troisième ruchette du coup, avec la petite création des cinq que j'ai fait à partir des petits cadres récupérés la semaine dernière. Elle est sur trois cadres. Donc je l'ai juste ouverte. Et donc dans le cadre du milieu, hein, sur trois cadres, le cadre du milieu, il y a trois cellules royales.
Donc voilà, j'ai refermé tout de suite, hein. J'ai juste vérifié que les ouvrières aient pris en charge certaines alvéoles pour en faire une future reine, et j'ai refermé. Donc voilà, la suite au prochain épisode pour cette petite ruchette. On fera le point à la prochaine visite. Alors la ruche la plus, une des ruches les plus fortes, la numéro 8 sur laquelle il y a déjà deux os. Et c'est celle-ci où il y avait beaucoup de CR. Alors comme d'habitude, je les préviens devant. Tac. Bon, je ne vais pas vous refaire ce que je vous ai fait voir la semaine dernière, mais juste pour vous faire voir l'état des os. Ah, ça blanchit de plus en plus. Ça blanchit de plus en plus, c'est très bien ça. Là, on voit bien du coup ici, là, c'est en train de blanchir. Les cadres là sont en train de s'épaissir, dans les intercadres plutôt. Donc c'est bien, ça rentre du nectar. En sortir un pour voir. Un des plus récents qui était ciré uniquement. Bon bah là, il est totalement bâti quoi. Avec du beau miel, ça brille bien, c'est parfait. Ça remplit, et là, bon bah très bien, c'est en train d'operculer. C'est parfait. Oui, je sais, vous aimez pas ça, hein. Voilà, c'est en train d'operculer gentiment. C'est très bien ça. Les deux côtés, c'est parfait. C'est parfait. Je pense que dans celle d'en dessous, hein, la première, ça doit être encore mieux du coup. Donc parfait, allez, je referme. Je fais la petite visite hebdo, et puis je vous reprends s'il y a des choses intéressantes. Bon, je vous fais voir un bel exemple, hein. Bon, c'était la ruche la plus populeuse sur laquelle il y avait dans laquelle il y avait énormément de cellules royales la semaine dernière. Je les avais toutes enlevées, mais comme quoi, c'est un bon exemple, hein, comme quoi, malgré que j'ai tout enlevé, je crois que la fièvre d'essaimage était plus forte. Du coup, elle a refait, il reste 3 ou 4 cellules royales là, et il n'y a plus de ponte, et je n'ai pas vu la reine. Donc bah, je pense que la reine est partie avec une partie de la colonie. Et bah, du coup, résultat, je n'ai plus qu'à attendre qu'une nouvelle reine naisse, hein. J'espère que ça va pas impacter la récolte. Bon, elle continue à, elle est très très populeuse, hein, les deux os sont pleines. Donc, bon, pour l'avoir déjà vécu, c'est pas très très grave en soi, hein. J'aurais préféré garder cette reine avec toute la colonie, mais bon, tant que le remplacement se fait et que j'ai une nouvelle reine au bout, ben, tant mieux quoi, hein, c'est le principal. Donc, voilà, au moins ça montre un petit exemple concret que, ben, ouais, on peut. Même si on surveille tous les 7 jours les CR, on les enlève et tout pour pas que ça SM, eh bien, il y a certaines reines qui, quoi qu'il arrive, ont envie de partir, ont envie de voir ailleurs, hein. Après, c'est leur méthode de reproduction naturelle, donc c'est bien pour la nature, hein, mais c'est moins bien pour l'apiculteur. Donc voilà. On va attendre, hein, maintenant. Je vous fais juste voir, hein, le cadre, je viens juste de le sortir, je vais le remettre tout de suite. Tac. Le cadre avec. Les cellules royales. Voilà, donc il y en a une ici. En début, il y en a une là qui est fermée, et il y en a une autre, je crois, dans le milieu. Elle est peut-être de l'autre côté. Enfin voilà, en tout cas, il y en a une là, et il y en a deux autres ailleurs. Donc je vais. Voilà, je vais pas. Je les dérange pas plus longtemps. Elles sont déjà un peu énervées, forcément. Elles sont. Voilà, elle est là, l'autre au milieu. Toc, elle est juste ici, puis elle reste bien autour, donc c'est parfait. Elle est juste là, donc je n'y touche pas, j'attends. Et puis bah, on va croiser les doigts pour qu'il y ait une belle petite reine qui naisse et que la récolte continue pour le printemps. Voilà pour l'exemple. Exemple concret, hein. Mais c'est pas grave, il y en a d'autres. Et puis bah, j'espère que celle qui est partie, elle va faire sa petite vie dans la nature. C'est bon pour la nature, c'est bon pour les fleurs. Moins beau pour l'apiculteur, mais tant pis. J'ai émis l'hypothèse aussi que la reine ait pu être tuée, enfin que j'ai pu tuer la reine pendant ma manipulation, pardon. Donc j'ai quand même vérifié, hein, par terre ou sur le côté et même devant si bah, s'il n'y avait pas la reine, hein. Mais bon, je ne l'ai pas vue.
Il y a un petit peu, même si les butineuses à cette heure-là sont déjà sorties, donc la population est forcément réduite. Mais j'ai quand même vérifié ce cas-là parce que c'est fort possible, ça m'est déjà arrivé. Hein, c'est les aléas de l'apiculture, mais bon, en général, on évite, hein, on essaie de manipuler avec précaution. Mais ça aurait pu. Mais en tout cas, non, je ne l'ai pas vue, elle n'est pas par terre, je l'ai vue nulle part. Et comme la population est un petit peu plus diminuée que la semaine dernière, je pense qu'elle est partie avec une petite partie de la colonie. Donc voilà, mais ça aurait pu être une hypothèse, hein. J'aurais pu la tuer par maladresse, mais bon là, d'après ce que j'ai vérifié, c'est pas le cas. Ruche numéro 6, on va regarder la hausse ensemble. Alors, les petites cires que je récupère. Parfait ça. Ça, c'était des cadres qui étaient cirés qu'à un tiers. C'est j'allais dire bien operculé. Non, c'est bien étiré. Certains cadres sont en cadre à mal, mais bon, c'est pas grave, ça fait le taf, hein. Elles remplissent bien quand même. C'est parfait. Je vous fais voir le petit cadre à mâle à jambage de la semaine dernière. Du coup, vous vous rappelez, j'avais enlevé la partie inférieure, la partie du bas, pour j'expliquais, hein, pour limiter le varroa, etc. Et du coup, je vous fais voir en une semaine, en 8 jours, voilà, elles l'ont déjà presque rebâti, quoi. Là, c'est étiré et la reine a déjà répondu dedans. Voilà, donc pour vous dire, hein, la rapidité quand ça miel et que le temps est là, bah, elles envoient quoi, hein, ça pulse, ça pulse. Bon bah là je finis, hein, je fais le check, hein, des cellules royales encore, la ponte, la place. C'est du temps, hein, il y en a qui laissent l'essaimage arriver, hein, et qui laissent les ruches se renouveler. Moi, pour éviter de perdre un peu trop de récolte, un peu de temps, j'essaie de faire les cellules royales. Alors, ça prend du temps. Hein. Bon, j'ai pas 500 ruches, donc ça va. Mais bon, c'est chronophage. Hein. Ça prend énormément de temps. C'est pas la partie la plus plaisante de la visite. Donc voilà, c'était pour vous faire voir la. Ben voilà, en une semaine, comment ça bâtit, comment les abeilles travaillent. Hein. Ça va à une vitesse phénoménale. Allez, je continue. Ok, on va passer à la. De mémoire, je crois que c'est celle-ci. On va faire une division du coup avec recherche de reine. Je vais donc laisser la ruche orpheline ici pour que les butineuses viennent dans cette ruche dans laquelle il n'y a pas de reine. Et je vais du coup chercher la reine, la mettre dans la ruchette et puis du coup ensuite séparer le nombre de cadres entre cette ruche-là et l'autre. Donc un peu comme quand j'ai fait les créations d'essaim, hein, c'est le même principe. Je vais laisser cadre de réserve, pollen, nectar, du couvain ouvert fermé, et puis faire la même chose dans l'autre, transvaser des cadres réserve, pollen, nectar, couvain ouvert fermé. Voilà, elle est bien populeuse. Elle a commencé à chercher de la place même sur le côté là derrière la partition, j'étais en train de chercher le mot. Donc voilà, on va faire. Là, je fais une division sur celle-ci. Elle est sur 3 et 3, 6, 7. Elle est sur 8 cadres. Donc on va faire 4 cadres là et 4 cadres dans l'autre. Donc là, ce que je vais faire en premier, c'est. Déjà, je vais aller chercher la petite ruchette. Ça va assez vite, hein, parce que celle-là était. Les deux là, la 2 et la 3. Donc on fera la 3 après. La 2, elle a eu un peu plus de mal à passer le post-hiver, quoi. Elle a mis du temps à se gonfler, à augmenter sa population. Et puis bah là d'un coup voilà en une semaine, bon on a eu une belle semaine, hein. Ça blanchit déjà les cadres, elles ont ramené beaucoup de provisions et elles cherchent maintenant à construire hors de la partition parce que bah elles finissent par manquer de place. Donc c'est comme quoi c'est pas facile, hein, de gérer. J'ai pas envie de mettre plein de cadres cirés pour agrandir la ruche très vite si elles sont pas assez nombreuses, que ça les refroidisse. Bon, même là, si à cette période-là, il y a un peu moins de chance, mais bon, je préfère y aller au fur et à mesure que de mettre 3 ou 4 cadres d'un coup.
Ah, du coup, si elles étaient de l'autre côté de la partition, à mon avis, voilà, ici, elles sont, ouais. Là, ça, c'est le signe où faut agrandir, quoi. Donc là, en l'occurrence, je vais la diviser, celle-ci, mais. Voilà, elles étaient déjà en train de construire, là, de l'autre côté de la partition. Ça, je vais le prendre, je vais mettre ça dans mon petit seau à cire. Alors, eh bien, c'est parti. On va commencer par regarder les cadres d'extérieur. Je pense que ça va être des cadres de provision, donc je vais pouvoir déjà en prendre un et mettre dans la ruchette que je vais récupérer. Donc ça, c'est ma ruchette. Bon, ça, c'est des cadres qui sont prêts à cirer, prêts à être ajoutés dans les ruches qui en ont besoin. Alors, premier cadre. Alors, il y a bien, c'est un beau cadre, hein. Beau cadre de couvain là. Du pollen tout autour, juste à côté du couvain. Et du nectar miel parce qu'il est operculé. Ça coule. Enfin, j'ai envie de le goûter, mais non. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ça, c'est parfait, ça. Et par là, c'est pondu aussi. Je vais quand même regarder s'il n'y a pas eu des cellules royales qui ont commencé à être. Non, ça va. Très bien, et bien celui-là, je le prends. Tac. Ensuite, le second. Il va être pareil. Waouh. Bon, ça, c'est mon cadre à mal, du coup. Est-ce que c'est rependu? Oui, c'est rependu. Beau cadre à mâles. Du coup, je vais laisser dans cette ruche-là, puisque celle-ci sera orpheline, donc les mâles seront impatients de pouvoir féconder la prochaine reine qu'il y aura dans cette ruche-là. Je continue. Tac. Ah bah alors là, il y a des débuts de cellules royales. Petites amusettes. Mais écoutez, celui-là, je vais le laisser là. Hein. De toute façon, c'est parfait. Je regarde s'il n'y a pas la reine, puisque le but, c'est que je mette la reine dans l'autre ruche que je vais déplacer. Elle semble pas être ici. Parfait. Je le laisse là. Un beau cadre aussi, il y avait un cadre à mâles aussi, c'était l'ancien ça qui était. Voilà, ma reine est ici. Donc c'est parfait, je la prends. C'est une blanche, hein, donc c'est possible que l'année prochaine je la change. On verra. Mais bon, elle pond plutôt bien. Elle a pas du tout envie d'essaimer. Ça fait ouais, c'est. Il n'y a pas beaucoup de cellules royales. Bon là, il y en a une ou deux dans l'autre parce que bah, effectivement, elle a été sur 8 cadres et puis elle était serrée, mais. Elle a pas trop l'envie, donc c'est une bonne petite reine. Je la mets bien au milieu parce qu'il y a du couvain. Du coup, je verrai après parce que je vais remettre des cadres cirés, évidemment. Bon, bah maintenant, c'est plus facile hein, pour faire la séparation. C'est que là, maintenant, il faut juste que je vérifie qu'il y ait bien. Bah, parfait. Ça, c'est un cadre qui est pondu avec des œufs tout frais ici. Donc, c'est parfait. J'essaie de rapprocher. Je ferai un petit focus, voir. Donc c'est nickel, je le laisse dans la ruche qui est maintenant orpheline. Donc il y a de la nourriture avec un peu de couvain, mais nourriture, pollen, nectar, couvain fermé, couvain ouvert. Là, il faut que je reprenne encore deux cadres. Donc bah celui-là, il m'a l'air bien. De la ponte avec des larves et du couvain fermé. Par contre, il y a des cellules royales là, ici. Donc je ne vais pas le prendre. Je vais laisser ce cadre dedans. Hein. Ça fait gagner quelques jours à la ruche et aux ouvrières pour élever une nouvelle reine. Donc je vais pas les casser. Ouais. Et puis il y a de la réserve ici de pollen. Donc je vais le laisser ici. À ce moment-là, je pense que je vais prendre celui-ci. Oh, ça m'embête, il a du couvain fermé, lui. À moins que si là il y a du couvain fermé aussi, je vais le prendre. Mais je préfère laisser le couvain fermé ici parce que bah, les jeunes ouvrières, elles restent dans la ruche et elles sont nourries, elles s'occupent du couvain. Donc c'est pour ça que je préfère laisser du couvain fermé dans la ruche orpheline.
Comme ça, je suis sûr qu'elles vont s'occuper du couvent. Là aussi, il y en a, donc c'est très bien. Bon, je vais prendre ce cadre-là. Bon, il y a un début de cellule, là. Est-ce que... Non, c'était pas pondu. Je m'assure, du coup, je vais prendre celui-ci, donc je m'assure qu'il n'y ait pas de cellule royale. Il n'y en a pas dans le milieu. Est-ce qu'il y en a ici? Non. Excusez-moi les filles, je vous dérange. Allez, allez, tout doucement. Parfait. Bon, parfait, ce cadre, il est très bien. Hop, je le prends. C'est très bien. Tac. Très bien. Et donc, j'ai cinq cadres, il va falloir que j'en choisisse un autre. Après, je pourrais très bien en mettre 5 et 4 dans l'autre. Hein. L'autre où il y a la reine, je vais mettre des cadres cirés, elle va repartir très très vite. Bon, bah ça, c'est un cadre blindé, blindé, blindé de nourriture. Je vais le laisser là. Alors. Donc, un cadre de nourriture pollen qui est blindé. Celui-ci, il y a du couvain ouvert fermé avec des cellules royales. Tac. Celui-ci aussi, de mémoire, oui. Et du coup, je pense que je vais laisser celui où il y avait beaucoup de cadres à mal. De cadres à mal, n'importe quoi. De cellules de mal. Ouais, c'est celui-ci. Donc, je vais le laisser là aussi. Je vais leur remettre en extrémité quand même. Tac. Un cadre à cirer pour qu'elle travaille un peu quand même en attendant. Et du coup, je vais récupérer celui-là. Ah oui, mais celui-là, ça m'embête. Je vais laisser cette ruche-là sur trois cadres. En rajoutant des cadres cirés. Et puis je vais laisser celle-ci sur 5 cadres. Parce que là, il y a des cellules royales, là, il y a du cadre à mâle, là, il y a des cellules royales avec du couvain ouvert. Et là aussi. Donc bon, je vais refaire quand même le tour. Hein. On va essayer de bien faire les choses quand même. Y a plein d'abeilles, hein. On le descend tout doucement. Faut éviter d'en écraser. Et voilà. Eh bien, c'est parfait, ça. Je vais mettre un cadre ciré là au bout pour que, en attendant qu'il y ait une nouvelle reine, hein, elle travaille un petit peu. Et puis là, dans la ruche, je vais mettre carrément deux cadres cirés. Je peux me le permettre parce qu'elle est assez forte. Je vais juste secouer un petit peu d'abeilles ici pour qu'il y en ait un peu plus. Et puis voilà, ça ira très bien. Hein. Tac, je secoue dedans. Voilà. Tac, je vais chercher. Là, ils sont là d'ailleurs. Hop, parfait. Je mets deux cadres cirés ici. Voilà. Bon, bah là, je referme et puis bah, on va la laisser travailler tranquillement. Donc, ici, je vais mettre une petite cirée. Un petit cadre ciré, tac. Voilà. Et puis ben, c'est parfait, hein. On verra ce que ça donne à la prochaine visite. On fera un petit suivi pour voir si ça a marché ou pas, et puis ce que ça donne, hein, sur la population et la ponte. Parfait. Donc là, je referme cette ruchette et je vais l'emmener à son nouvel emplacement à côté des autres petites ruchettes là-bas. Et puis, ben, à la suite au prochain épisode. Hein. Bon, bah, du coup, un essaimage. Hein. Heureusement, il y avait des cellules royales encore dedans. J'ai beau faire les cellules royales, mais voilà, ça marche pas tout le temps. Donc, un seul essaimage sur mes 10 ruches. Les autres, elles ont toujours un peu l'envie, hein. Il y a toujours quelques CR qui sont créés par-ci par-là. Mais du coup, bon, je les casse au fur et à mesure. Et puis, bah, comme je disais durant la visite, hein, si elles essaiment, elles essaiment. Hein. C'est la reproduction naturelle, c'est comme ça. C'est dommage pour moi, pour la récolte. Et encore, je vais perdre quelques jours, mais bon, là, il fait beau, les hausses sont bien pleines, hein, quand même. Je pense que la récolte va être pas mal, donc c'est bien. Donc voilà un essaimage, je vais la laisser faire, hein. Du coup je vais attendre
qu'une nouvelle petite reine naisse et puis qu'elle fasse le travail. On verra ça la semaine prochaine. Ensuite, ben voilà, la division est faite avec une recherche de reine. Donc j'ai mis la ruche un peu plus loin, la ruche dans laquelle il y avait la reine un peu plus loin, et puis la orpheline, la ruche orpheline, je l'ai laissée où elle était. On verra ce que ça donne dans les jours, semaines à venir. Et puis bah, dans l'ensemble, sur les autres ruches, très très populeuses, hein, je fais toujours un peu pareil, hein, je libère un ou deux cadres, puis je les mets dans les ruchettes ou dans les ruches qui sont créées, qui sont un peu plus faibles du coup. Puis je remets un cadre ciré, et j'ai rajouté sur deux ruches qui n'en avaient pas encore bah, une hausse sur chacune, parce que bah, ça pulse à fond, hein, là, comme je disais, il fait beau, le colza, enfin les colzas autour sont... ça pulse, j'ai pas d'autre mot, ça pulse. Donc voilà. Encore une fois, merci, merci pour tout. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre un petit peu mon évolution. Et puis faites vos retours. Comme d'habitude, j'aime toujours vous lire, c'est toujours agréable. Et puis bah, je vous dis s'il n'y a rien de nouveau d'ici là, à la semaine prochaine ou à dans 15 jours, ça dépend de l'évolution. Allez, ciao, ciao!